Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Lane le Motivateur. Il est vrai que cela fait déjà quelques jours que nous ne faisons plus de publications sur la chaîne ici, mais cette fois-ci, nous revenons avec de très bonnes nouvelles pour vous. Alors, vous devez vous installer confortablement pour suivre la vidéo du bout en bout parce qu'il y a de très bonnes nouvelles que nous allons partager avec vous. Motivation, action. Coaching, opportunité en ligne. US immigration, pose des tues. Dis-moi qu'est-ce que tu dis. Hey, Lane le motivateur, Lane le motivateur, Lane le motivateur de tous les motivés. Hey. Si c'est pour la première fois que vous découvrez la chaîne Lane le motivateur, sachez que ici nous parlons de la motivation, nous parlons de la développerie, nous parlons des bourses d'études, de l'immigration américaine dans sa globalité. Alors n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne plus rien rater lorsque de nouvelles publications vont apparaître ici. Aujourd'hui, nous allons vous parler rien que des notifications envoyées à ceux qui sont en attente. Et là, vous devez dire waouh, waouh et waouh. Alors, avant d'aborder ce qui a été le nombre des notifications envoyées aujourd'hui, nous allons faire rapidement un feedback pour aller voir et jeter un coup d'œil sur le nombre de notifications que le KCC envoie ces derniers temps. N'oubliez pas que nous tendons déjà vers la fin de l'exercice et là, le KCC est en train de faire d'énormes efforts afin de pouvoir notifier beaucoup de gagnants avant la fin de l'exercice. Ainsi donc, pour ce qui concerne le 18 juillet 2022, le KCC a notifié 257 personnes, dont 2 pour l'Afrique. Pour le 19, le KCC a notifié 503 personnes, dont 344 pour l'Afrique. Et le 20, le KCC a notifié 186 personnes, dont 47 pour le compte de l'Afrique. Pour le 21, je vais dire hein, le 22, 414 deuxième notification, dont 410 pour le compte de l'Afrique. Et pour le compte d'aujourd'hui, 22 juillet 2022, le KCC a notifié 292 deuxième notification et les 292 notifications sont pour le compte de la zone de l'Afrique. Alors, l'Afrique est un honneur. L'Afrique a été honorée, je vais dire. Donc, voilà, c'est cette nouvelle que je voudrais partager avec vous très rapidement en vous disant de ne pas coucher sur vos lauriers. Allez-y, vérifiez vos boîtes mail. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés et savoir que le KCC vous a notifié. Et ces 2 jours qui vont suivre, le KCC va énormément notifier de personnes. Alors, cela prouve que peut-être que les messages que chacun recevait, lorsqu'on demande au KCC où se trouve mon dossier, le KCC vous dit que vraiment il ne peut plus débloquer votre DS-260 parce que votre dossier a été traité, patati patata, beaucoup de choses en tout cas.
Alors, peut-être que c'est là la réalité de la chose. On ne le sait pas et c'est ce que nous, nous souhaitons. Si tel est le cas, voilà, ça va faire le bonheur de tout le monde. Alors, voilà, on ne va pas trop discourir à travers cette vidéo parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui vont venir après. Voilà, cela, c'est juste pour... C'est juste ce qu'on peut appeler de l'actualité avant d'entrer dans ce que nous allons essayer de partager ici. Allez, dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si elle a apporté une réponse à une question que vous vous posez. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci d'avoir suivi la vidéo. Jusqu'à ce niveau, je vous retrouve très prochainement dans une autre nouvelle vidéo beaucoup plus intéressante que celle-ci. Alors jusqu'à ce temps, je vous souhaite de passer des agréables moments chez vous. C'était Lan le motivateur. Allez, ciao.